Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole des dieux avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Très chers auditeurs en ligne, très chers auditeurs qui nous suivez par des radios périphériques de vos villes respectives, que ce soit dans les milieux anglophones ou francophones, je me tiens devant vous au nom du Seigneur pour vous parler de sa part. Et par courtoisie, je salue les uns les autres au nom du maître cuisinier de l'univers. Alléluia, alléluia. Il est le maître cuisinier de l'univers. Il sait vous alimenter. Il a toujours alimenté ses sujets. C'est un king, roi qui alimente l'univers. Il a été le maître cuisinier. Et de Jésus de Nazareth. Tout ce que Jésus de Nazareth a dû faire sur la terre est l'œuvre du maître cuisinier. Toutes les œuvres que Jésus a faites lorsqu'il est au puits de Sichar, qu'est-ce qu'il m'a nourri, alléluia, et de faire la volonté et l'œuvre du Seigneur, c'était sa nourriture. Et tout ce qu'il a fait, Jésus de Nazareth, était sur la table du maître cuisinier. Il a passé 40 jours, 40 nuits sans manger et boire à cause de celui qui affame l'univers. Et je l'ordonne maintenant au nom de l'Esprit du Seigneur de s'en aller loin de vous, afin que vous soyez ravitaillés, ravitaillés en matière des œuvres du Seigneur. Après 40 jours de jeûne et prière, Jésus est ravitaillé pendant 3 ans des œuvres de son Père, de sa nourriture. J'aimerais que tous ceux qui me suivent dans les nations du monde cessent avec les jeûnes imposés par Satan. Recevez la compagnie du maître cuisinier, et celui qui avait ravitaillé toutes les œuvres que David, le roi, alléluia, toutes les œuvres sur les plans militaires, sur les plans prophétiques, sur les plans, tout ce que David a dû faire, venez du maître cuisinier au nom duquel je vous ai salué. L'Éternel est mon berger, alléluia, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, me dirait les eaux paisibles. C'est le maître cuisinier. Ce n'est pas que David avait besoin de l'herbe, qu'il était végétarien, non pas ça, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est lui qui l'alimentait. Il l'alimentait en victoire sur les arrogants du monde. Goliath est tombé. Où est-ce que David avait marché? Au nom du cuisinier de la victoire. Recevez. Du cuisinier de la victoire. Tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et cette multitude saura que la victoire, alléluia, c'est un demain. Et Jésus n'a pas dérogé à la règle. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. C'est son père lui avait donné la victoire sur la mort. Il est dernier ennemi qui allait être vaincu, c'était la mort. Et son père lui avait donné ses mains que son ancêtre David avait raffolé, savouré. J'aimerais que vous puissiez savourer des victoires là où vous êtes. Je ne connais pas les guerres que vous avez, mais savourez les mains du maître cuisinier de l'univers. La victoire est nécessaire, c'est valable aussi pour tous les petits enfants qui ont la foi dans le monde. Vous pouvez manger ces mains-là. Des mains qui avaient fait chanter les femmes. Ouais. David avait comme maître cuisinier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et si vous lisez le psaume 23, c'est un psaume du maître cuisinier, de bout en bout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages riches, il me dirige vers les eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, encore, t'as oublié ton patrouillé. Le maître est votre sécurité dans tous les dangers que vous avez. Il avait mangé à la table de la sécurité. Il était là. Et au bout de cela, il lui a donné la victoire. Tu dresses ma table devant mes ennemis. Tu vois, il
alimentait était ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, alléluia. C'était son maître cuisinier. Et j'aimerais que vous puissiez faire de lui votre maître cuisinier dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Vous avez besoin de lui. Il sait ravitailler. Jéhovah Jireh n'est pas mort. Celui dont l'apôtre parle, mon Dieu, alléluia. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Sa gloire. Sa gloire vous alimentant. J'aimerais que vous soyez assis à la table. Le maître cuisinier sera au rendez-vous. Il a été le maître cuisinier d'Israël. Il va sortir ses peuples. Je vais les faire monter dans un bon et vaste pays où coulent les nez et les miels. C'est des rives de fleuves, du miel et du lait. Il est le maître cuisinier. Au nom duquel je vous ai salué, il sait vous restaurer. Alléluia. Plus que les pizzas, plus que les hamburgers, plus que les restaurants du monde. Le maître cuisinier, regardez comment il a nourri Adam et Ève. Il crée le monde pendant ses jours. Il livre ses œuvres, alléluia. J'aimerais dire à tous les chrétiens du monde, vous n'êtes pas oubliés. Vous avez été sauvés pour manger. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que qu'il lui enseigne? Sauvés pour manger. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons été sauvés par la grâce, vous avez sauvé par la grâce au moyen de la foi pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Alléluia. Le ciel est une bonne œuvre que Dieu a préparée. Vous allez savourer le ciel. Alléluia et alléluia. Et c'est le maître cuisinier du paradis. J'ai dit aux gens sauvés pour manger. Comme les enfants, lorsqu'ils naissent, la première chose qui les intéresse, c'est prendre le. Il y a beaucoup à manger. Et Jésus a donné la promesse lors de la nourriture. Je ne mangerai plus les produits de ces vignes. C'est à ce que j'en boirai de nouveau. Alléluia, alléluia. On va manger ce que Jésus mange. Alléluia. Ça sera des œuvres extraordinaires, ça. Vous avez été sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ma nourriture est de faire les œuvres à volonté, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Ça que j'aimerais, vous puissiez manger sans oublier les autres besoins physiques. Puisqu'il est le maître cuisinier même des oiseaux. Dis, regardez, ces oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais les nourrit tous. C'est le maître cuisinier. C'est pour ravitailler. Quand j'avais dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Ce sont les païens. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Our Father, c'est notre Père. Il sait que nous avons besoin de manger. Et il prépare la nourriture pour ses enfants. Vous m'avez sauvé pour manger. Pas de n'importe quoi. Pas de nourriture médiocre, non appétissante. Pour manger des mets délicieux. Alléluia. C'est manger cela. Mais pour manger ce qui est délicieux. Alléluia, alléluia. Vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Pour les bons, non pas les médiocres, les bons, les délicieux, les excellents. La cuisine de Dieu est excellente. C'est pourquoi je vous ai salué au nom du maître cuisinier de l'excellence en cuisine, en la culinaire. Alléluia. Vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Pour les bons. Mais c'est pas n'importe quoi. Pour les bonnes, alléluia. Alléluia. L'air a sonné de faire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Alléluia. C'est pour ça qu'on a été sauvés. Qui nous a été sauvés. Pour bien prêcher de bonnes œuvres. Prêcher merveilleusement bien. Pensez à cela. Sauvés pour manger. J'en m'en dis, mais moi dis oui. Nous avons été sauvés pour manger. Pas manger n'importe quoi. Jésus sauve. J'ai plein de païens du monde qui ne veulent pas être sauvés. Vous serez affamés dans l'enfer. Soyez sauvés pour manger. Non, pas n'importe quoi. Vous mangerez à la table du sauveur. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Mais regardez, quand Jésus sauve Lazare de la mort, la Bible dit qu'il était assis à la table.
avec Jésus. Sauvé pour être assis à Satan. Et vous, les églises de la terre, vous avez été sauvés pour quoi? Pour être assis à la table de Jésus sur le plan spirituel. Pour manger les œuvres de Jésus. Alléluia et Alléluia. Vous allez penser, pourquoi il avait dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Ma nourriture est de faire l'œuvre et la volonté. Celui qui croit en moi fera les œuvres. En d'autres termes, celui qui croit en moi mangera la même nourriture que moi je mange. Est-ce que vous comprenez un peu cela, Église de la Terre? Je vous souhaite bon appétit, enjoy. Pour les anglophones, bon appétit à la table, Seigneur. Cette parole de l'Écriture d'Éphésiens chapitre 2 est très forte. Nous avons été sauvés par la grâce, moyen de la foi. Pour les bonnes œuvres, alléluia, alléluia. Pour les bonnes œuvres. Mais quelles sont ces bonnes œuvres? C'est les mains du Sauveur. Ces œuvres en lui deviennent nos œuvres. Répertoriez les œuvres du Sauveur. Et faites cela autant. C'est votre droit. Mais le cuisinier est le même. Vous avez été sauvés par la grâce, moyen de la foi, pour les bonnes œuvres. Que diable, ces messieurs-là, que diable préparé d'avance. La nourriture est pressée de votre salut. J'ai dit aux païens, pourquoi vous gaspillez votre temps sur la terre? Vous avez une nourriture qui vous a précédé. Vous croyez seulement et vous allez manger avec nous. Vous savez, qu'est-ce qui avait précédé? C'était Adam ou la nourriture d'Adam? C'est la nourriture d'Adam, c'est comme ça. Qu'est-ce qui précède la sortie des bébés? Les laits ou les bébés? C'est les laits. Dès que la maman va bientôt l'accoucher, les seins vont gonfler ainsi de suite. Et l'enfant, quand il sort, tout de suite la maman les met au sein. Dieu, tenez intelligent. Il vous prépare la nourriture avant votre existence, avant votre salut. C'est le main des cuisiniers de nous souffrir. Les flûtes et les tambourins étaient préparés au jour où tu as été. Il lui a préparé. Ce maître est extraordinaire. J'aime bien qu'il nous prépare de la bonne musique. Alléluia et Alléluia. La bonne musique était sur la table de nous souffrir. Venant du maître cuisinier. Vous croyez à cela, Emma? Vous croyez à cela? C'est la Bible qui l'a dit. Qu'est-ce qui avait précédé Lucifer? La montagne sainte, les jardins d'Éden où Lucifer a précédé ces choses. Il dit, je t'avais placé sur ma montagne sainte, sur mon jardin. Il regrette de s'être privé du maître cuisinier céleste. Imaginez que Dieu est préparé. On ne connaît pas quels sont les musiciens qui chantaient pour Lucifer et qui jouaient de la musique. Les flûtes et tambourins ainsi de suite étaient préparés. Aujourd'hui, a été créé. C'est extraordinaire. On chantera! Alléluia! L'homme a été créé. Après tout, Dieu a commencé d'abord par la cuisine pour l'homme, avant de créer les consommateurs. Écoutez, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai terminé, je reviendrai vous prendre. Ne peut pas nous prendre quand les choses ne sont pas encore prêtes. C'est quand Gabriel va crier, mise en place, terminé! Il dit, maintenant, ramenez! Les hommes qui ont crié sur la terre, ramenez-les puisque la mise en place est terminée. On va s'asseoir à la table. Seigneur, pourquoi j'ai salué les auditeurs en ligne par les radios au nom du maître cuisinier. Que je vous dis là, chose très importante. Dieu est là, il est là. Il prépare. Il a préparé et il prépare. Je pense à David, le terrain et mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout ce que David a joui, je l'ai dit au début. C'était l'œuvre du maître cuisinier. Même ses prières. Je demande au Seigneur de préparer des bonnes prières pour les chrétiens et les chrétiennes de la terre. Un homme de prière, car la prière c'est une œuvre du Seigneur, une œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre de ce monde. Même l'onction de la prédication, c'est lui que ma langue soit comme un écrivain habile. La grâce est répandue sur mes lèvres. Il chantait merveilleusement bien ce jeune homme de Bethléem. Nous a lâché sur la terre les psaumes qui ont traversé des milliers d'années, ayant la même onction de la grâce. J'attends Dieu sous l'inspiration de la grâce. Moi j'ai dit, servez Dieu, il vous servira. Celui qui nous sert mieux dans notre service, c'est quoi? C'est parfois banal, c'est limité. C'est illimité, c'est vous servir. Lorsque Jésus termine la croix du calvaire, Dieu donne l'ordre à tous les anges de servir Jésus. Et il dit aux anges, servez-les les mains que vous me servez là. Je pense à Wafat, je pense au père de l'enfant prodige.
le fou est revenu à la maison du cuisinier. Il a souffert la faim là chez les prostituées. Et quand il est dans la maison du maître cuisinier, et il lui dit quoi? Qu'on puisse tuer une bête grasse. Et l'enfant avait renoué avec la table de son père. Revenez, j'ai dit aux païens et aux chrétiens qui sont tombés dans les péchés. Revenez, revenez, revenez à la maison du père. Vous allez festoyer. Et vous allez manger en écoutant de la belle musique. Et Jésus a été servi et il est servi au siècle. Dit les peuples et de toutes langues les servir. J'aimerais que vous puissiez manger les œuvres du Seigneur. Je sens que les pasteurs, les évangiles, les prophètes, les musiciens, les diacres, les anciens, j'aimerais que vous puissiez manger. Manger les œuvres de vos pères. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait, ma nourriture de faire l'œuvre. Et la volonté qui m'a envoyé. Parce comment Jésus, quand il a rendu la femme samaritaine participante de son breuvage, celui qui voit cette eau et sera encore soif, voilà ce que je lui donnerai, ça jaillira. Tout le monde cette eau-là. Apprenez à demander l'eau que Jésus donne à sa table. Cette femme a demandé, j'arriverai, ce sera mon message. Elle a demandé, donnez-moi un feu que je ne vienne plus puiser. Donnez-moi, messieurs. Qu'on soit sérieux, c'est toi qui me l'as dit. Donnez-moi de cette eau-là que je ne vienne plus puiser ici. Tu comprends, messieurs, les juifs? Si tu veux qu'on s'attende, donne-moi. Et le fils du maître cuisinier était content qu'il allait partager avec cette femme le réveil de la Samarie. Et quand elle est entrée, elle a parlé un peu. Mais ça produit la nourriture. C'est ça la nourriture de Jésus. C'était le réveil de la Samarie. Est-ce que vous avez dit, mais... Est-ce qu'un homme, est-ce qu'il lui aura donné à manger? Jésus dit, j'ai à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle est cette nourriture? Ma nourriture de faire l'œuvre et la volonté qu'il m'a envoyée. C'était quoi? De le réveil de cette vie. J'aimerais que le Seigneur vous rende participant de sa nourriture, de son breuvage. Alléluia et alléluia. Qu'il vous rende participant. C'est ça mon souhait. Comme il avait rendu participant la femme samaritaine, il l'a rendu participante son breuvage de sa nourriture. Et toi, tout autour de la nourriture, hein? Jésus dit, vous dites, il y a 4 mois qu'il y a la moisson. Mais moi, je vous dis, levez vos yeux, regardez. Là, la nourriture est là. La nourriture est là. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Je le réveille. La Bible dit quoi? La vie est sortie à la rencontre Sauveur de sa nourriture, de la volonté, l'œuvre du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eternal life. Moi, je vous ai salué au nom du maître cuisinier de Jésus. Écoutez, tout ce que Jésus a mangé venait de son Père. Écoutez ce qu'il dit. Le Fils ne fait rien de lui-même, sinon de ce qu'il voit au Père faire. Les vient. Il lui montra des œuvres plus grandes que celles-ci. Alléluia. Le Père avait nourri le Fils. Mon message. L'avant-goût de mon message. Et imaginez, tout ce que Jésus a dû faire, ça a précédé Jésus ou c'est Jésus qui avait précédé. Parlons dans le langage humain. Je ne parle pas de l'éternité de Jésus qui existe à mes équidés que patati patata patata. Ça, le son, c'est pas ça. Dans le langage humain. Dans son corps, quand il est venu dans la chair. Tout ce que Jésus a fait, c'est Jésus qui avait précédé son œuvre ou sont les œuvres qui avaient précédé Jésus. Alors, mes 3 élèves ici ne me répondent pas, ni passé Josué, ni l'ancien Ruben, ni le passé Manier de Crépta ne me répondent. Qu'est-ce qui avait précédé Jésus? Est-ce Jésus ou sa nourriture? Sa nourriture, mes amis! Puisque les prophètes ont dit tout ce qu'il allait faire. Tout. Jésus dit quoi? Écoutez dans Hébreu, chapitre 10. Tu m'as formé un corps pour faire quoi? Ta volonté. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Son message à Nazareth, c'était ça. Il y lit Esaïe et il dit quoi? Les paroles que vous venez d'entendre sont accomplies. La nourriture avait précédé la bouche de Jésus de Nazareth. Le ventre de Jésus a été précédé par sa nourriture. C'est lui qui l'a dit. Il m'a formé un corps. Fais ta volonté, oh Dieu. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Même la nourriture de Jérémie avait précédé
Jérémie. C'est Dieu qui avait dit. Avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré prophète des nations. Pas ces faux prophètes, voyous. Qui racontent n'importe quoi de machin. Non. J'ai dit des vrais. Il y a eu des faux, il y aura des faux. Il y a eu des faux docteurs, il y aura des faux, dit l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 2. Je n'insulte personne. Il y a des faux. C'est plein de faux au Congo Kinshasa. C'est plein de faux en République sud-africaine. Plein de faux au Nigeria. Il y a eu des faux. Il y aura des faux. Je n'insulte personne. Mais ce sont des choses vraies. Mais les vrais, son œuvre l'avait précédé. Avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je t'avais consacré. Le ministère international de Jésus avait précédé Jésus. Tu es présente Jésus avant que Jésus soit. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie à qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera justement. Il est présent avant que Jésus soit. Tout ce qu'il allait faire venait du maître cuisinier qui lui a tout préparé. Tout. On peut dire tout. Et je pense à Jésus qui est assis dans le ciel. Pense à l'Afrique. Puis je t'avais préparé un endroit d'exil politique. C'était l'Afrique. Tout préparé. Quel maître cuisinier. Même son exil, le financement était préparé. C'est pourquoi on avait réquisitionné par une étoile, un ange de Dieu, les mages pour venir donner de l'encens, des myrrhes et de l'or, afin qu'ils aient des moyens pour subsister en Égypte. Ils avaient de l'or. On ne connaît pas la quantité qu'ils avaient, l'encens qu'ils avaient. Mais nous croyons que ça finançait les séjours. Dieu est sérieux. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme a pour maître cuisinier. Dieu, tout ce que vous mangez, c'est tout ce que vous comptez. Je pense aux hommes scientifiques qui sont très orgueilleux. La Bible dit quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, d'aller profonder dans les hauteurs. Mais la gloire de l'homme, c'est de sonder ces choses. Ce ne sont que des recherches scientifiques. C'est Dieu qui a préparé l'énergie atomique. Et l'homme peut retrouver cette énergie et la mettre à la disposition. Mais les hommes sont voyous. Il y a des moments où j'utilise ça pour tuer les autres. Ne dites pas mon passé, si c'était ainsi, pourquoi? Moi, je dis, mais les couteaux, nous avons besoin de ça pour épircher, faire ceci, faire cela. Utiliser seulement judicieusement ce que nous devons utiliser judicieusement. La chose qui est utile, si utilisée mal, ça devient une source de mal, c'est tout. Et Satan, c'est ça. Il connaît que ça, ce feu-là est utile pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Si Dieu n'allait pas mettre un ange pour surveiller le soleil, Satan nous aurait fait des tours, des problèmes sur la terre. Soit il déplace un peu la terre, loin du soleil, et nous sommes glacés. Soit il approche la terre du soleil et nous sommes incinéré, mais la terre est surveillée. Il est, c'est ça Dieu. Les gens disent, insultent Dieu sur la terre, dit n'importe quoi. Même Satan est surveillé. S'il n'était pas surveillé, nous aurions des ennuis. Moi, je vous ai salué au nom du maître cuisinier de l'univers. Tout, alléluia, alléluia. Tout ce que Joseph a joué en Égypte était préparé par son ancêtre, son grand-père, Isaac. Il a dit ça à Jacob. Que Dieu te donne les blés de la terre, que Dieu te donne la graisse de la terre. Ce que Joseph a rendu comme en Égypte, les épis gras et les vaches grasses, ça provenait de la table de ses pas, le père de Jacob, grand-père de Joseph. Et ils ont mangé. Dieu est bon. Quand il dit sa parole, il sait comment l'exécuter. Il a donné les bleus là et la graisse là-bas. Et après quoi, Dieu vient inviter Jacob. Viens manger la nourriture que ton père t'avait révélée. Jacob doute. Dieu dit, descends, je vais te faire remonter, t'en peux pas petit. Va manger ta nourriture. Et il est parti manger sa propre nourriture. Géré par son fils. J'ai dit à mes enfants spirituels dans mon Dieu, il y a ma nourriture dans les nations du monde. Je vous invite à manger ma nourriture que Dieu m'a donnée. Alléluia et alléluia. Où que vous soyez, vous pouvez sauver les âmes dans le monde. Le réveil nous a été donné par le Seigneur. Alléluia, alléluia et alléluia. Mais tout ce que je vais vous dire, c'était d'être des hommes de prière pour manger la nourriture qu'ont mangé vos pères et que mangent vos pères. Alléluia. Télé Élysée, où est le Dieu d'Élie? Il mange la même nourriture. Le chemin est là. Alléluia. Le miracle est là. C'était la nourriture de son père Élie. Il s'est adressé au cuisinier d'Élie.
où est le cuisinier de mon père Élie? Et ils ont mangé la même nourriture. Les Judéens fendus. Je crois que le petit Élisée était heureux. Ça, c'est moi? Ou c'est mon père? Mais je l'ai dit parti, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Alléluia. Ils mangeaient avec action de grâce. Et ceux qui étaient dans les pourtours, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'esprit d'Élie est sur Élisée. Alléluia. Depuis que Élisée avait prié pour manger. On va y arriver, ça sera mon message. Mais je vais les condenser. Jésus mange la nourriture de son père. C'était la transfiguration. C'était la nourriture de Moïse qui avait le visage transfiguré sur la montagne de Sinaï. Ça j'arriverai. Et Jésus avait prié. Il a veillé dans la prière. Il a mangé la nourriture de son père Moïse. Il a été transfiguré. Et ils sont entrés dans la nuée, là où était Moïse, où il a prié. Et je crois, quand on a vu Pierre à regarder, le visage de Moïse en train de briller, de Jésus, c'est ce que nous lisons dans les Écritures au temple, que Moïse était transfiguré. C'est la même chose. Et Jésus mange cette nourriture-là. Si vous voulez manger la nourriture de vos pères, soyez les hommes de prière comme eux, et vous mangerez leur nourriture. Laisse-moi, on va condenser, je suis déjà au-delà des messages que j'avais préparés pour vous. Ce que j'ai donné en prélude, ce que j'avais préparé aussi pour vous. Mais ce que j'avais préparé pour vous, le message, c'est intitulé « Eximons les œuvres de Dieu par ma prière ». Alléluia, alléluia. Alléluia. Eximons les œuvres de Dieu par la prière. Alléluia. Jérémie chapitre 33, c'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu lui-même qui donne cet ordre. Chapitre 33, verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, alléluia. C'est lui qui prépare cette nourriture ici que je vous ai parlé. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. C'est lui. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Jésus Christ, Nisawa Sawa. Jésus Christ, Nisawa Sawa, Jana Leo, Namilele. Alléluia. Dis les nôtres, regardez vos conducteurs. Quelle a été la fin de leur vie? Imitez les foi. Jésus est allé même hier, aujourd'hui éternellement. Alléluia. Lui donne les nôtres éternels qui fait ces choses. C'est lui qui les fait. Eximons les choses de Dieu. Comment aider cette église qui est en train de s'affaiblir dans la vie de prière? Écoutez ce qu'il vous dit, lui qui fait ces choses. Je pense à Paul. Dit, ce sont les choses que Dieu a faites, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées. Il nous l'a révélé. Ce sont les choses que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées. Celui qui les fait, il est éternel, il est permanemment. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia, alléluia. Eximons les œuvres de Dieu par la prière. C'est l'ordre de Dieu. Alléluia, ça c'est fort, ça c'est fort. Je te répondrai. J'ai dit à toute l'église de la terre, invoquez-le, il va vous répondre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais. Comment vous aider à revenir aux Écritures? Eximons les œuvres de Dieu par la prière. Alléluia. Je pense à cette exhumation du chemin. Alléluia. Le chemin du retour par Élisée à l'aller comme retour. J'aime bien le Dieu qui était avec Josué. Il dit, il faut que Dieu place à leur tête celui qui les amène et les ramène. Ils ont traversé avec Élie et la mer et les Jourdains s'est refermé. Le retour était devenu un problème.
Est-ce que Élisée allait nager? Est-ce que ça allait nager? On ne sait même pas. On n'a même pas de pirogue. Mais le Dieu de la route était là. Il a exhumé les boulevards. Alléluia. Le chemin était là. Frère, le chemin n'attendait que la prière pour paraître, pour apparaître. Venons de lire cette parole de l'Écriture. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et il dit, je te répondrai. Et je crois que l'Église devrait avoir la foi dans les saints. Que la prière ne cache pas que vos petits besoins, machin, ça cache les œuvres de Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes cachées que tu ne connais pas. L'Église, changez le focus de vos prières en direction des choses grandes de Dieu, des œuvres de Dieu. C'est ce que l'on réclame ici. Dis, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes que l'Église chante. Invoquez-les pour des choses grandes. Vous avez un moyen pour exhumer les œuvres de Dieu, mais vous jouez avec ça pour des petites choses. Il y a beaucoup de sœurs, de frères qui passent à longueur de journée en train de prier pour des petits machins. Et c'est terrible ça. J'aimerais que la prière puisse aller à sa raison majeure. Les œuvres de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les trois choses sont des choses liées à Dieu. Et la nourriture de Jésus était faire l'œuvre de Dieu et sa volonté d'accomplir cela. Mais aujourd'hui, la prière est devenue quelque chose de banal. Vous gaspillez ce que vous avez pour les grandes choses. Comment vous aider? Les gens gaspillent des jeunes et prier pour des grandes choses, pour les petites choses de moi. Mais c'est Dieu, c'est notre gloire. Je vais lire un peu. On va essayer de courir. Je crois que nous aurons dit quelque chose. Dans Proverbes chapitre 25, les versets 2 à 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Les cieux dans les hauteurs, la terre dans sa profondeur. Et les cœurs du roi sont impénétrables. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui commence avec son peuple. Mais passons un peu au Saint-Esprit. J'aimerais recadrer l'Église. L'Église est en train de jeûner et de prier à Antioche. C'était pas mauvais. Mais l'Esprit Saint revient dans leur vie de prier pour les recadrer. Recadrons l'Église. Actes des apôtres, suivez-moi bien. Ce que le Saint-Esprit a fait pour l'Église d'Antioche est valable pour nos églises. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. L'Église doit être recadrée. Elle gêne, certes, c'est bien, mais elle a besoin d'être recadrée. Je lis dans Actes Apôtres, chapitre 13, et les versets 1 à 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, les Tétraques et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. Le Saint-Esprit vient. Vous priez, changez vos prières. Il est dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia et alléluia. Le Saint-Esprit est entré de recadrer son église qui gênait prier pour des choses essentielles. L'œuvre, mes amis, l'œuvre. Je crois que vous gênez et que vous priez. J'aimerais que le Saint-Esprit qui a recadré l'église d'Antioche vous recadre aussi. Pendant qu'il gênait et servait Dieu, le Saint-Esprit lui dit, mettez-moi à part, sort et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils avaient appelé. Et je crois qu'ils ont changé le focus. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas polis. Même quand ils les demandent de changer le focus, ils restent entêtés dans sa direction. Puis c'est sa passion. Et regardez. Et ils changent le focus. Et verset 3. Alors après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Changer la manière de prier. Mon message, eximons les œuvres de Dieu par la prière. Vous savez, les œuvres de Dieu avec le Saint-Esprit allaient rester enterrées si l'Église n'allait pas changer
des focaces. Mais l'Esprit Saint a aidé l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enchaîner un prière. Ils ont fait quoi? C'est dans chapitre 14, verset 28 que nous comprenons ce qu'il a fait. Chapitre 14, verset 26 à 28. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alléluia et alléluia. Ma nourriture est d'accomplir son œuvre et sa volonté. L'Église a prié, alléluia, avait changé. Je demande que vous puissiez changer. Vous gênez, vous priez, pourquoi? Priez d'abord pour les œuvres du Seigneur. Et quand ils sont rentrés, ils avaient été recommandés à la grâce du Seigneur. Et quelle était l'œuvre de la grâce? Allez, de la grâce. Quelle était l'œuvre de la grâce? Qu'est-ce qu'il a porté, Paul? J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce que c'est cette œuvre-là de la grâce? L'œuvre de la grâce était le réveil du passé méditerranéen. Alléluia et alléluia. C'était l'œuvre de la grâce. J'ai dit à l'Église, vous avez été créé, fondé pour prier en faveur de la volonté et des œuvres de Dieu dans le monde avant d'aller dans l'au-delà. Vous savez, Jésus a prié pour l'œuvre. Sa vie à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Alléluia. C'était sa nourriture. Mais qu'il était possible que par sa vie de prière, je crois que le réveil du bassin de la Méditerranée était l'œuvre cachée du Saint-Esprit avec les instruments appelés par le Saint-Esprit. Je le proclame à la face du monde que l'Église est un outil par excellence pour l'exhumation planétaire des œuvres de Dieu. Il a été créé pour l'exhumation des œuvres. Je pense à John Knox qui réclamait cela pour l'Écosse. C'est un homme de prière comme Antioche. Donne-moi l'Écosse où tu me tues. Des siècles plus tard, la grâce qui est Antioche est en Écosse puisque John Knox a prié. Exhumons les œuvres de Dieu par la prière. Ça fonctionne. Les dames m'intéressent de parler de Bethania. Bethania. Regardez Bethany. Les deux femmes, pas les hommes. Les hommes sont orgueilleux. Des femmes ont prié. Et le réveil avait éclaté à Bethany et à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. On va aller vers la fin. Je vais quand même lire les œuvres de Dieu à Bethany. Dans Jean chapitre 12, verset 9. C'était les femmes qui ont prié à deux reprises. Elles ont envoyé des messages à Jésus. Celui qui est aimé malade. Et Jésus a traîné. Il est mort. Mais l'œuvre du réveil était là. Et messieurs, le réveil est arrivé à la demande de deux femmes qui ont fait la remarque. Tu es venu en retard, c'est fini. Elle a dit, moi je n'ai pas voulu créer l'hôpital ici, j'ai voulu ressusciter. Vous avez demandé l'hôpital, mais moi je vous envoie la résurrection. J'ai fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Elles ont prié, Dieu sait répondre à vos prières. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh toi. Les deux femmes ont prié et ça a provoqué le réveil de Bethany. En réponse à les prières, dans Jean chapitre 12, verset 9 à 11, ça c'est le réveil de Bethany. Une grande multitude de juifs apprit que Jésus était à Bethany. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est le réveil de Bethany. Les foules sont à Bethany. Alléluia. Ça, en réponse à la prière des deux femmes. Eximons les œuvres de Dieu par la prière. Quand vous allez maintenant dans le verset suivant, c'est le réveil de Jérusalem. Chapitre 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens vinrent à la fête, ayant entendu que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Prirent des branches et des palmiers, allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et le verset 19, on dit que tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appelait Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. C'était aussi dans la foule. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'il avait appris qu'il avait fait ce miracle grâce à la prière. C'est des femmes. Ça, la deuxième, c'est la foule de Jérusalem. Et regardez la conclusion des pharisiens. Tout le monde, les pharisiens dirent
C'est dire donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici les mots de tannés après. Et Jérusalem et Bethania sont rêvés, c'était l'œuvre de la gloire du Seigneur, grâce aux deux femmes. Oh, le temps est court, je pense à Ézéchiel. Le réveil des ossements desséchés. Et les produits de la prière d'Ézéchiel appellent le souffle des quatre vents. Alléluia et Alléluia. La vallée avait changé de son contenu. Au lieu de squelettes, mais c'est une armée nombreuse, très nombreuse. Le temps est court, on doit couper par là. J'allais vous dire les églises qui sont remplies de cadavres, puisque le temps est court, on allait lire. Quand il a commencé à prophétiser, la chair est venue. Et ils se sont rassemblés, mais c'était des cadavres. Et Dieu savait que ce ne sont que des cadavres. Il y a beaucoup d'églises remplies de cadavres. Il n'y a pas les réveils. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Appelle le souffle des quatre vents. Alléluia. Je pense à la mort dans les églises qui sont rassemblées avec des cadavres. Non, cadavres. Et quand il a appelé, il dit, c'est mis debout. C'est fini une armée nombreuse. La vallée des cadavres est devenue la vallée des pelletons. Des pelletons des guerriers. Et alléluia. Oh, c'est un peu compliqué là. On va s'arrêter par là. Sinon, on allait parler. Toutes les œuvres que Moïse a fait, il les a fait. Les buissons ardents devraient être rendus buissons ardents. Grâce à la verge de Moïse. Sans la verge de Moïse, les buissons ardents n'étaient pas buissons ardents. Sans la verge de Moïse, le Saint-Esprit ne sera pas Saint-Esprit, puisqu'il ne sera pas vie. Nos prières amènent à ce que le Saint-Esprit soit vie, soit touché, soit ressenti. Et que ses œuvres soient opérationnelles. Alléluia et Alléluia. Ils ont prié dans la chambre haute. Le Saint-Esprit a été vu. Il a été senti. Amen et amen. À la prochaine. Dans les mêmes forums du réveil. Par l'évangile de Christ. Abba, Père. Amen. Merci de nous avoir suivis, faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers.